Je vais recouvrir mon pot d'échappement de isolant thermique. J'ai commandé ça il n'y a pas longtemps. J'ai quelques colliers pour serrer tout ça. Alors c'est du tissu qui est à base de minéraux. Donc c'est du tissu de verre qui font tresser et ça permet de garder la chaleur. Ça tient jusqu'à 1200 degrés facilement et ça permet d'évacuer la chaleur plus vite. Donc tu maintiens cette partie là en chaleur, en rouge, à rouge carrément, et ça fait que tes gaz d'échappement ils partent plus vite. Donc, en général, tu peux en mettre sur les voitures, sur les motos, tous les points chauds. Mais en général, c'est vraiment sortie de moteur. Voilà. Donc tu vois, c'est de la bande fine et de la plus large. Mais moi, ceci, c'est pour vraiment prendre la courbure et vraiment isoler cette partie. Comme tu vois, il y a encore de la graisse. Je ne vais pas la toucher, je ne vais pas décalaminer, je ne vais rien faire. Ça va se faire tout seul. Comme ça va rester à rouge, les premiers tours de roue, ça va se mettre à rouge, brûler. C'est vrai que ça va faire bizarre, mais il ne faut même pas s'inquiéter. Tu peux en mettre aussi sur les turbos de voiture pour bien garder la chaleur. Alors, sur une moto, on n'a pas tous des turbos. Voilà. Là, tu fais en sorte de dire bon, ça c'est la moitié, je vais faire un tour, je prends la moitié. Continuer, je vais mettre un collier parce que j'ai peur que ça se défasse. C'est des colliers à usage unique, hein. Tu le mets, tu peux plus le re-enlever. Comme ça. Le collier, c'est pareil. Si tu veux en prendre plusieurs modèles, tu as des modèles plus larges que celle-là, plus longs s'il faut. En général, cette toile, tu peux la mettre de partout et isoler tous tes échappements. Voilà, je pense que là ça suffit, j'ai pas besoin d'en mettre plus. La partie là, la partie arrière, tu peux en mettre. Alors, surtout si tu as une moto, tu peux en mettre pour pas que les gens ils se brûlent sur le pot d'échappement, par exemple. En général, ça se met devant, mais après tu peux protéger à l'arrière. Sur une voiture, tu peux faire une protection thermique pour pas que ton réservoir il reçoit les calories de l'échappement. Et
Celui-là, il n'y en a qu'un, mais je vais en ajouter un deuxième. Tu vois, ça donne ça. Et sinon, tu vois, là j'ai isolé, c'est juste pour cacher les coups qu'il avait, le pot d'échappement. Il était trop abîmé pour le restaurer. Bon, j'ai presque fini. J'espère que tu t'es abonné et que tu as fait un petit pouce bleu, c'est sympa pour moi. J'ai rajouté des colliers, j'ai peur que celle-là il glisse. Donc j'en ai rajouté un ici. J'ai des plus larges, donc j'ai mis un plus large, mais il est plus petit en longueur. Donc les longs, ben, je peux les mettre ici, mais pas les petits, pas ces larges là, pas les larges. Donc j'ai mis un large ici, un ici, deux petits, mais j'ai un petit sur le maintien. Là, tu vois, j'ai laissé dépasser les quéquettes pour les ressorts. Donc ça prend bien le tour de partout. J'ai laissé la place pour le ressort. Et après, bah, je vais faire mon petit montage tranquille. Et je te montrerai ça à la fin. Allez, à plus.